Eh bien, salut à tous les amis, c'est Monsieur LOL, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur Euro Truck Simulator 2. Nous allons faire tout simplement un convoi exceptionnel escorté et nous serons avec un Volvo FH16 avec comme livret Sandbuilder. On est à Linz, donc en République tchèque, et nous allons aller tout simplement aller chercher un condensateur industriel et nous allons aller à Brno. Voilà, allez, c'est parti, on va tout simplement allumer le moteur. Donc cette fois-ci, vous avez la possibilité d'apercevoir le volant G29 et la boîte de vitesse, donc je suis bien en manuel. J'espère que ça vous plaira. On a fait le tour l'extérieur du Volvo, donc je répète, on est en 6x4, voilà, avec châssis relevable, en appuyant sur la touche U, et on va le laisser... Bien sûr, enlever. Enfin, je veux dire, on va le laisser plutôt en bas. Alors, pour commencer, nous allons aller chercher tout simplement la remorque. Alors, on va faire un peu le point de la cabine. Donc, on a deux sacs de sport parce que voilà, on faut dormir entre-temps. On a un petit toit qui est sympa. On a le DLC Raven derrière. On a une petite tasse Schwarzmüller avec le porte-monnaie et le téléphone avec American Trunk. Truck, voilà, Trunk, allez donc. Ici, nous avons les informations, tout ça. Je vous propose qu'on y aille. Alors, tout simplement, je vais embrayer. On enlève le Frank-Park, on y va tranquillement. En plus, on a beaucoup de circulation à ce que je vois. Ce que je vois, pardon. Excusez-moi pour cette grosse faute. Donc là, c'est rouge. Alors vraiment, vous me direz dans les commentaires si vraiment vous appréciez ce mode de vidéo avec cette vue-là, donc c'est-à-dire la vue du jeu, la vue du volant. C'est un format de vidéo que j'avais décidé de faire depuis un certain temps, mais bon, j'arrivais pas trop à le faire parce que c'est très compliqué de filmer avec son téléphone pendant 30 minutes, etc. Il faut avoir le temps. Donc là, je viens de m'apercevoir que j'ai dû faire le tour pour rien, à mon avis. Parce que voilà, parce qu'à mon avis, vu que j'ai enlevé les autoroutes, c'est tout simplement ça. Alors vous avez vu, on va... Alors en fait, je vous expliquais Sunbuilder, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une entreprise qui font beaucoup de d'engins avec des travaux, qui transportent d'engins de travaux, etc. Et du coup, je fais partie de cette entreprise-là. Et comme nous allons faire un gros convoi exceptionnel, ils m'ont contacté. Donc voilà. Bon, voilà. Donc, allez. Parce que là, faut se grouiller un peu, sinon on va être en retard. Donc, bah, je crois qu'on peut rentrer par là directement. Donc là, on est chez ITCC, une grosse usine de pétrole et de gaz, à mon avis. De gaz, je pense. Hop, offre de traction et nous avons la condensateur industriel qui fait à peu près, on peut pas savoir, non, c'est pas combien, il fait de tonnes. C'est pas grave, ah si, 60 tonnes. Allez, c'est parti. Le réservoir a été rempli. Sacré engin quand même. Alors, ça on s'en fout. Donc, on voyait les deux caterpillars là-bas au bout. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit screen. Voilà. Alors, on va mettre les gyrophares. Hop, vraiment quelque chose de réel. On en a en bas. Allez, c'est parti. On avance. Ça patine pas, c'est déjà bon signe.
Vous voyez, il bloque. C'est vraiment très réaliste. Je kiffe. On a à peu près 300 km. Ça va aller assez vite quand même. Donc là vraiment on est vraiment plus lourd que l'ancien convoi exceptionnel qu'on avait fait. Il est notamment plus intéressant. Notamment plus intéressant, excusez-moi. Alors je vais essayer de pas trop de me coller quand même sur la barre à l'arrière. Hop, donc là il va aller fermer la route normalement, ouais. Ce que je vois normalement c'est déjà fermé. Vraiment magnifique. On attend juste l'escorte de derrière. Franchement, c'est magnifique. En espérant que ça vous plaise. Donc c'est à peu près à 65 km/h la vitesse maximale pour le convoi.
là on est à cette place. Je vais juste un peu me resserrer, histoire que les autres usagers puissent quand même passer. Donc il nous reste à peu près 200 km. Donc on va à destination de Vienne et puis on changera après. Donc là je vois ce qu'on... Apparemment on est sur une autoroute. Et nous allons tout simplement à... il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit. Ah. D'habitude il y a écrit et là comme de par hasard il n'y a pas écrit. Allez, alors là ça se resserre un peu, on va un peu plus se concentrer davantage. Pas très facile. Bon après il y a des convois exceptionnels, c'est encore pire que ça. Les largeurs elles sont deux fois plus supérieures. Donc ça demande deux fois plus de concentration. Vous voyez ça dépasse vraiment un petit peu quoi. Mais faut quand même rester concentré parce que ça peut vite partir.
là ça va être limite à 50, on rentre dans la ville. Là, on a les petits journalistes. La petite camionnette escorte Caterpillar. Donc là, on arrive sur un rond-point. On attend que ça soit. Hop, donc là ils ont fermé l'autoroute. Enfin... Donc je précise que j'ai bien l'embrayage au pédalier. Ce n'est pas juste les embrayages sans le pédalier, parce que je sais qu'il y a l'embrayage automatique. Et moi j'ai bien l'embrayage manuel. Là, on arrête sur des petites routes. On va un peu baisser la vitesse. Parce que vu qu'il y a des véhicules qui peuvent arriver en face, on va rester dans les alentours de 50.
Il nous reste 50 km. Après, on arrive en ville, puis voilà. Alors, je peux aussi faire ça, hein. Je peux aussi changer les. Je peux même programmer une vitesse constante. Je peux programmer 70, je peux programmer beaucoup de choses. J'ai programmé 60 km/h. Donc pour le régulateur, bien sûr. Alors la vue magnifique. Donc là, je me suis mis à 50 parce qu'on rentre dans la ville. Hop, bah je remercie du coup tous mes collègues d'avoir été là. On voit qu'il y a la télévision qui est là. Voilà. Bah écoutez les amis, j'espère que la vidéo en tout cas elle vous aura plu. Voilà, on a fini le parcours. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé, si la prochaine fois vous voulez que je parle ou pas. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi les amis, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous de bons jeux. C'était Monsieur LOL. Allez, ciao les amis.